Salut les enfants. Hello. Salut Akilou. Hello Chacha. Cette femme bronzée en plein mois de mars. Bah c'est ça, les vacances d'hiver. Elle a des choses à nous raconter. Les enfants, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ouais. Déjà vous et moi. Nous. Et Akilou, ça fait un petit moment. Bah oui. Parce qu'il y a eu de la chonchonnade. Des rebondissements comme jamais. Hein? Il y a eu pire. Il y a eu pire. Parce que là, c'est pas la faute de la boxe, c'est les petits voleurs de boxe. Ah, t'attaques direct dans le vif du sujet. Bien sûr, donc c'est parti. Il n'y a pas eu de box en février parce que ma box était arrivée, mise dans ma boîte aux lettres. Mais bon, je sais pas, maintenant c'est à la mode, on vole les colis. Tu sens qu'elle est encore un peu là. Bah, en fait, ce qui me choque, c'est que c'est volé par des gens en fait. Il y a des gens qui volent des colis. J'ai appris que maintenant on pouvait acheter des clés pour ouvrir des boîtes. Ah oui, les clés universelles. Ouais. Non, mais une mascarade, ça aussi. On peut les acheter partout. Non, mais... C'est moche parce qu'à côté de ça. Il y a un petit bonhomme qui s'en prend plein la tête parce que c'est comme s'il avait pas livré. Moi j'ai envoyé un mail à Colis Simon en disant bah, j'ai pas eu mon colis, je reçois un mail qui me dit mon colis est dans la boîte aux lettres. Donc en fait comme ça remonte au responsable, bah, le responsable va voir ses équipes. Tout est très bien fait, hein. Après voilà c'est... Ça a été bien suivi, c'est juste que c'est un peu long quoi. C'est un peu long et puis après bah, quand j'ai renvoyé à My Little Box, ils m'ont dit qu'ils allaient me le renvoyer mais ils m'ont pas renvoyé. Donc j'ai envoyé un mail, il y avait un petit souci chez eux, bon j'ai l'impression qu'il y a toujours des soucis partout, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Il y a pire, puis surtout tu finis avec tes... Avec les box qui sont là. Aujourd'hui on a quand même 4 box à vous présenter. Donc une longue vidéo. Une longue vidéo, c'est pas plus mal parce que comme je vous l'ai dit, on s'est pas vu depuis longtemps, je pense que ça fait un bon mois que j'ai pas filmé. La vie m'a roulé dessus, mais comme tout un chacun j'ai envie de dire. La vie m'a roulé dessus. Sans mauvaise nouvelle, je veux dire, c'est juste t'as pas le time de sortir la tête de l'eau. Je trouve aussi que moins t'en fais, moins t'as le rythme pour t'y remettre, tu vois. Donc bah là, je suis contente parce qu'Akilou, elle me file un coup de main. C'est ça. Pour revenir avec vous, je me dis, allez, c'est folle ambiance. Ouais, avec nos nouveaux cheveux. Ah, il s'est passé tellement de choses en février. Parce que dans ce mois, on était chez le coiffeur. Bien sûr, le petit cadeau d'anniversaire d'Akilou qu'on avait repoussé. Que j'ai bien coupé, hein. J'espère que vous l'avez vu quand même. Franchement, t'as fait plus que prévu. T'as passé un bon moment. Mais ouais, ben on a passé un bon moment. On s'est fait kiffer. On a pris ce qu'il y avait à prendre en conseil. Ouais. T'as acheté le Kevin Murphy? Non, pas encore, mais franchement. Ah, alors non, par contre, moi je voudrais acheter un truc pour sécher mes cheveux comme lui sèche les cheveux. Parce que... Mais j'ai vu après, à ce qui paraît, ça met super longtemps. Je l'ai envoyé au quand on était là-bas. Non, je crois pas que tu me... C'est genre une charlotte que tu mets sur ta tête et tu mets ton... T'as un tuyau d'aspirateur, quoi. Ouais, et tu mets ton truc et en fait, ça, c'est comme ça que ça sèche normalement. Mais même là-bas, donc en fait, c'est un coiffeur spécialisé dans les cheveux texturés, on va dire ça comme ça. Il n'utilise pas de sèche-cheveux, il avait un... Comment ça s'appelle? Je sais pas, mais c'est des vieilles machines, mais il a dit qu'il allait changer d'ailleurs. Un peu comme les trucs à permanente, tu sais, à l'ancienne. Donc une lampe rouge là, une lampe rouge, et les cheveux, ils étaient même pas... Touché, c'est-à-dire qu'il les a sortis de l'eau, il les a enfilés ensemble, il séché comme ça. Franchement, c'était agréable, en mode Bahamas, puis vraiment pour les boucles, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Mais avoir ça à la maison, moi, c'est... It's a no. Surtout ah non, si la machine, non, mais par contre, acheter le truc et les sécher une fois par semaine comme ça, pour, avec le diffuseur, ça marche bien aussi. Et puis, les laver le moins possible, moi, il m'a dit, j'en ai pas encore parlé de cette histoire, d'essayer de pas les laver du tout. Tu sais, genre juste à l'après-shampoing de temps en temps, parce que j'ai jamais les cheveux sales, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, lui, il m'a pas vu en revenant de course à pied et tout ça. Hein. Oui, c'est ça le truc. C'est vrai que souvent, je les lave pour être coiffée, mais pas parce qu'ils sont sales. Mm. Genre, je veux tourner une vidéo, je veux que mes cheveux, les boucles soient redéfinies, et ben je vais passer sous la douche, j'allais dire. Alors, si elle faisait comme je lui avais dit, avec un spray d'eau, je le fais aussi, mais c'est pas pareil. Et j'avoue que là, bah, ça fait combien un mois qu'on a été chez le coiffeur. J'ai toujours pas essayé à l'après-shampoing. Je sais pas, j'ai toujours l'impression d'avoir besoin de quand même laver le cuir chevelu, quoi. Advienne que pourra, lui il a parlé aussi des gommages de cuir chevelu. Ah ouais, mais alors ça tu sais, des fois quand j'en ai dans les box et que je fais, je trouve ça bizarre. Mais c'est surtout qu'après il y a trop de nœuds dans les cheveux, quoi. Bah ouais. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de bons conseils chez lui, mais j'arrive pas à les appliquer chez moi. Aussi l'après-shampoing à 17 000 Dorots de chez Kevin Murphy, il utilise que cette marque là, on sait qu'elle est canon hein, quand tu l'as dans les boîtes. Ah bien sûr, on le sait. Bon après là j'ai repassé une commande d'après-shampoing, c'est pas donné quand même. C'est vrai qu'on lui a pas parlé de Davines. Bah. Davines, voilà. Bon bah c'était, on a déjà balancé toutes les news. Bah quoi, il y aura peut-être des news entre deux. Ouais, tes vacances que tu vas raconter quand ça. On ouvre un peu de box et puis on enchaîne parce qu'après il y a plein de trucs aussi, tout le monde a regardé LOL. On n'en a pas parlé. Moi ça a été... on ne spoil personne. Bon là c'est bon, il y a la prescription. Ouais, bien sûr.
moi, Affida Turner qui est arrivée, je crois que je suis partie. Bah, je me suis dit, what the fuck. Moi, j'avais les larmes. J'avais les larmes, je pouvais plus. C'est une blague. Puis en plus, elle était tellement sérieuse. Mais oui. C'est ça qui est magique chez elle. Là, c'était vraiment le pompon sur la garante. Elle continuait son truc, quoi. C'était. C'est sûr que tu craques, c'est sûr. Et leur tête. Leur tête. Oui, comment tu peux imaginer qu'Affida Turner a arrivé? C'est pas vrai. Et puis quand elle a dit, ça va être un tube. Ah ouais. Bah oui. Mais oui, c'est un tube. C'est un tube. C'était sûr. Tu peux l'attaquer avec tes. Bah alors, je sais pas. Je pense c'est un sacré carton. Ouais, elle est belle en plus, je trouve. Donc c'est la boxe de février, je pense. Et tu n'as jamais de boxe en dur. De temps en temps, mais très rarement. Qui s'appelle la flemme. Donc si c'était la flemme du mois de février, je pense qu'on a tous eu cette flemme de putain on en est ouvert, mais d'avoir Kiki pour le petit coup de pouce. Parce que je crois qu'il y a eu 28 jours de pluie, plus que ça. Je sais pas, mais vraiment on n'en pouvait plus, quoi. Ouais. Le sun, on l'a cherché et là on n'est pas trop mal. J'espère que ça va durer à Kyo. Allez, celle-là. Top à la vachette, je pose les miennes. Il y a un peu de place à côté de moi. Oh là 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 là. Le bureau est en travaux, mes enfants. Je vous spoil peut-être une prochaine vidéo si un jour ça voit faire les vidéos. Avant, après. Ouais, bah voilà. Bah, ouais, mais là, il y a. Ouais. Je sais pas comment je vais faire, mais on s'en sortira. Alors, allez, je prends ça. Qu'est-ce que c'était cette fin du mois de février? T'as envie de rester chez toi, t'es pas motivé à grand chose. Le temps de ne rien faire, bien voilà. Rien faire. Et donc, ça sent. La bougie. Bah, je pense qu'on peut vraiment dire bougie. Bougie aux courbes infinies. Mmh. Non, mais j'aime bien parce qu'ils ont toujours des super packaging. Ah d'accord, ouais, c'est les quoi? Bah c'est les bougies à la mode, tu sais. Ah ouais. Les bougies déco, quoi. Ouais. C'est une jolie bougie, quoi. Oui. Après c'est pas les bougies que t'allumes, quoi. Non. J'ai l'impression qu'il y a un double fond à ta box. C'est pour ça qu'elle s'appelle la flemme, on veut te cacher. Ah. Do what you want. What you want. Est-ce que c'était beau comme fais ça? Fais ce qu'il te plaît. C'était parfait, Akio. C'est marqué plateau quoi? Multi-usage. Ah bah mince! On sait pas ce que c'est. Bah non, un plateau, c'est un plateau pour ne rien faire avec ta bougie. Ah, c'est les vides poches de l'entrée ouais. Que tu peux utiliser en. Sacré vide poche ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie des poches? Moi, il n'y a rien dans le vide poche. C'est vrai? Bah non, mais qu'est-ce que tu vides? Un mouchoir crade? En fait, le vide poche, c'est pas forcément pour vider tes poches, c'est plus pour vider ta maison. Genre, tout ce qui traîne dans ta maison, tu le mets. Dans une poche. Et puis après t'en fais quoi? Bah il y a un jour où tu te dis allez on range le vide poche, on trie. Oh mais c'est joli. Oui. Lazy Sunday morning. Bien sûr. Tes petits bijoux tu vois. Ça c'est à la mode, j'ai vu en ce moment, je vois plein de vidéos avec les gens qui achètent de la terre chez Action. Mm-hmm. Et qui font des trucs pour mettre tes œufs, des. C'est nice? Ouais. C'était une bonne idée de cadeau. Et le petit pochon. Alors ça, mais qu'est-ce que j'adore des petits pochons comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit pochon? Nous commençons avec. C'est une collab Je sais pas. Ah, c'est fou, ça fait déjà 6 mois. Donc on commence tout de suite avec un produit de My Little Beauty qui est un contour des yeux marins pour aller sous l'eau. Voilà, c'est ça. Tu l'as vu la mer pendant tes vacances? Non, j'étais dans les terres. Et on a une petite qui m'aurait bien servi avec mon mini sac Rainer. Parce que je payais pas de bagage en dessous. T'avais assez de miniature. Ah bah oui, mais non, mais moi par contre, ah ouais, du solide, la petite lingette démaquillante à l'eau, très bien. Du basique. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je voyage, moins mon sac il est blindé. J'ai l'impression d'avoir mes culottes, je les ai lavées à la main. Non, mais trop de détails. Mais non, mais c'est vrai, on va pas se prendre. Tu pars 8 jours, tu vas pas prendre 8 culottes. Oui, t'étais au soleil, c'est vrai. Donc ça a séché. Ouais. Dans ton riad. Dans mon riad au Maroc. Parce que ça y est, moi je balance des. Non, mais par contre, le plus beau était le Sahara. Bon, allez, vas-y. Allez, lâche-nous le sketch, raconte-nous à Kilo, qu'est-ce que t'as fait? Alors, je suis partie de Marrakech et on a fait un road trip jusque dans le Sahara. Les larmes ont coulé. On claquera une petite photo du. Ah, c'est vrai? Bah, je vais t'en donner. Ok, bah, je vous la mets maintenant, les enfants. Avec la musique de Dune. Parce que je suis fan de Dune. Déjà, je suis fan de Dune, de l'ancien Dune. Et là, il y a Dune, seconde partie. Ouais. Et la musique de Hans Zimmer, elle est juste. Unbelievable. Ah ouais, non mais. Et t'en as des frissons. Et donc, c'est juste magique. Est-ce qu'on peut se dire dans notre life qu'on a marché dans les dunes de cette couleur? Non mais c'était le pays est merveilleux hein. Mais ça restera incroyable. Je le souhaite à tout le monde. Oh là là. De vivre ça. Enfin, vivre c'est partager à qui le mais c'est ça. Tu reçois tu donnes. J'ai une larme qui coule depuis le début de cette vidéo. Je vous promets, c'est pas les émotions d'Akilou qui mettent. Pas cette fois en tout cas.
Alors là, on est sur un exfoliant super food au café. Ah, mais tu sais, le café, pourtant, Dieu sait que j'en bois. Mais alors, déjà, les pâtisseries, les desserts et tout, j'aime pas. Mais qu'est-ce que j'adore ça. D'ailleurs, je pense que pour Pâques, ça, je vais faire un gâteau avec une mousse de café, quoi. Un Paris-Brest au café, quoi. Ouais. It's a no. Genre le mal à casser le délire. Non, it's a no. Bon, bah après, je serai pas là. Hein, tu fais comme tu veux. Mange ton gâteau au café. Mais moi, c'est vrai que je peux pas, quoi. Et puis, alors là, vraiment, sur ma face, ou bien le marc de café pour faire des gommages sur le corps, jamais, quoi. Oh là là, mais j'adore ça. Donc, on testera, je vous dirai, par contre, vous vous souvenez, j'adorais frotter ma peau comme une ouf. Bon, ben, ma peau, elle a dit stop. Elle dit stopping right now, quoi. Des moments, je me retrouve la gueule on fire. Ah ouais. Tu sais, si je vais trop au sauna hammam, je fais un gommage, que le lendemain je mets de l'eau froide, très froide, ouais. Ça me déchire. Ah bah ouais, le chaud froid, plus le fait d'avoir retiré les couches supérieures, voilà, c'est. Bah oui, mais c'est normal à kilo. Il n'y a rien de. Mon corps est. Tout change. Tout change. Tout évolue. Bah voilà, ça y est, kilo. Ouais, bon, écoute, c'était une petite box. Petite box, deux produits. Trois produits. Attends, t'as ton café. Ah oui, mais attends, le truc à veine, je trouve ça un ouais, peu. Ouais, c'est un truc. Ouais, l'eau micellaire à veine comme ça, déjà ça coûte pas bien cher, mais alors en mini comme ça. Bon, on enchaîne avec une beautiful box. Bien sûr. Allez. Celle-là. Ou alors bah, l'autre, parce que j'ai l'impression que celle-là, c'est trop bizarre, on a l'impression que c'est la box de Noël. Inspirée par Gatsby le Magnifique. Oh, est-ce que je vais avoir une robe à franges? Une robe à franges? Je pense pas à Kilo. Vu le format. Leonardo DiCaprio. C'est chic et pailleté. Pour le mois de février, ouais. Faut quand même être déter. Hein. Entre l'eau, c'est la flemme. Tu restes chez toi avec ton vide-poche. Avec ton vide-poche. Ton vide-mouchoir comme ça. Toi, t'as vraiment une image du vide-poche où tu rentres de chez toi et tu sors toutes tes affaires de ton sac. Mais comme si toute ta journée, t'avais claqué des trucs dans ta tête. Des cailloux. Ouais, je sais pas, au bout, c'est genre t'as mis ça dans ta poche. Allez, vas-y, Akio. On y va. Là, déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les formats. Alors, nous partons sur un produit de chez Melvita. Canon. Super Activate Firming Oil, triple action. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce c'est une que huile fermeté. Ah non, ça a été en français, mais tu préfères toujours lire en anglais, bien sûr. Évidemment. Mais c'est parfait, ça. 34 euros. C'est joli, hein. Regardez. Et c'est une huile pour le corps. Pour occuper, raffermir, raffiner, lisse. Eh bien, écoute, j'ai commencé le rameur. Est-ce que vous faites du rameur? Toi, tu fais du rameur? J'en ai un dans le garage, ça fait un moment que je me suis. Mais en fait, c'est sympatoche, parce que tu sens pas du tout que. Oui, c'est vrai. Tu sais, t'es là, tu discutes, tu tires, tu machin. Mais vraiment, faut discuter, je trouve. Faut discuter ou regarder un épisode de Plus Belle la Life. Ah oui, oui. Ça. Parce que sinon, c'est vite chiant, quoi. Ouais, mais quand je suis descendue du rameur, j'ai fait. Ah. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et effectivement, pour la petite fermeté, en mouvement circulaire, en remontant du bas des cuisses jusqu'aux hanches et aux bras, en insistant sur les zones rebelles. Elles sont les zones. Je crois que j'ai beaucoup de zones rebelles. Je vois pas de quoi vous parlez. Le rebelle, Lorenzo Lamas. Oh, sacré bouge. Allez, vas-y. On continue avec un shampoing pailleté. Ça va plaire à Julien, ça, dit donc. On met dans nos cheveux, c'est le coiffeur. Soin du cuir chevelu et souplesse. Ouais. On testera souplesse, ça. Souplesse, c'est quand même ce qu'on cherche. Bah ouais, bah écoute, j'ai l'impression que c'est encore une nouvelle plante parce que ça vient d'un arbre. Biorgania. Ouais. Argan bio. Alors c'est une marque qu'on ne connaît pas, non? Bah non. Mais moi j'ai reçu des produits de la part de la box Belle au Naturel. Okay. Sur cette marque. D'accord. Mais j'ai pas encore testé, donc je ne saurais te dire. Bah écoute, je te dirai, là j'ai lavé mes cheveux aujourd'hui, donc on va attendre dans un mois. Non, ça vaut 10 heures mal. Et alors les paillettes, moi j'attends de voir à Kébo. T'imagines, je brille 2000 feux, quoi. Tu bah on veut pas, on veut pas briller, ça va faire ressortir les cheveux blancs et tout. Oh, c'est clair, d'ailleurs, faut que je refasse encore, hein, j'en peux plus. Alors nous sommes sur une Blur, comme le groupe de Music. Crème sublimatrice, effet matifiant et nacré. J'adore les crèmes comme ça. Baume-œil, on connaît, non? Moi je connais pas. Hein. Je sais pas où c'est, je l'ai peut-être vu quelque part. Hein. Ça coûte 30 balles. Ah, c'est une crème teintée, trop bien, j'adore. Ouais, Blur, ça veut dire flouté. Flouter les pores, les imperfections, tout ça. Yes. Et la teinte, elle est pas trop. C'est une teinte classique Je crois, parce que c'est, à mon avis, c'est comme, tu sais, les CC crèmes. Ah oui, ça s'adapte au pH de ta peau, c'est ta carnation. Et ça, j'adore par contre. Je sens connaître cette marque. Ouais, Coslisse. Coslisse, une crème corps extra riche, amande douce bio de Provence. La Provence, la Provence. Tu peux la ranger tout de suite, hein, si tu ne le sauras pas. Mais si.
je vais utiliser de la crème pour le corps. Mais tu sais, des fois j'en mets, regarde. Ah bah oui, voilà. Bah, par contre, il y a besoin, tu parce vois, t'as pris, t'as pris de, des couleurs et tout. Bah oui. Là, je vois ton visage, mais ton corps. Bah, je jusque là, parce que j'étais en t-shirt. Il a fait bon, je dis pas, il a fait méga chaud, mais il a fait bon, c'était un temps parfait. Ça fait du bien d'avoir eu de la vitamine D. Je pense que c'est ce qui manque, en fait. Bah oui. Il faudrait aller dans les solariums, je pense. C'est en Laponie qu'ils ont la nuit forever tout l'hiver. Ouais. C'est un truc de ouf. Bah oui, je sais pas comment tu fais après pour être... Mais comme tu dis, hein, les gens ont des lampes UV chez eux. Ouais. Ah ouais, parce que... En fait, c'est fou comment ça rebooste ton corps. Ça fait plaisir en fait. Déjà, t'es motivé à sortir, te balader, tout ça. Pour le moral, y a que ça, de bruit. 6,5€ à vélo. C'est le prochain sujet. Allez, vas-y, à kilo. Parce que j'ai un vélo maintenant. La transition est toute trouvée. Voilà, un vélo, mais moi, assistance. Donc, j'avance vite. Non, mais c'est chouette en fait. Je connaissais pas le, Ça empêche de prendre la voiture pour là, aller venir à la maison. C'est ça. Combien de temps t'as mis, une petite demi-heure? Par contre, c'est vrai que c'est stressant les voitures. Tu sais que tu dis, tu sens qu'ils ont envie de te doubler. Après, quand t'as pas l'habitude, en plus, moi maintenant je m'impose. Hein. Ah oui, non, mais par contre, le doigt d'honneur était très vite sorti. Hein, si se passait quoi que ce soit, je vous le dis. Ah ouais, t'es comme ça toi, en mode doigt d'honneur. Voilà quoi. Il te reste deux petites choses qui ça. Bah d'ailleurs, on va en parler aussi de ça. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu un crayon comme ça. Ouais. Je l'ai pris avec moi en vacances, trop bien. C'est vrai qu'on en a pas parlé de tes anciens produits. Je me souviens plus de. Je sais plus, mais en tout cas, je le dis parce qu'il y avait eu un petit crayon. Ouais. Pour les yeux. Ouais. Mmh. Et donc je le mets. Et c'est vrai que c'est trop rapide. Quoi. Ouais. J'adore. Et bah justement là, ils t'ont rajouté un petit pinceau. Beau haut en plus. Avec le petit pinceau estompeur. Canon. Et applicateur en maxi. En plus, c'est deux couleurs que je kiffe. Ah, il y en a deux, j'avais pas vu. Regarde. Un petit mort doré et un marron classique. Donc hop, tac, 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 intérieur. Raxil avec le marron classique. Tu crois? J'ai jamais fait en dessous. Oui, ou plutôt au-dessus. Mais... Ok. Ah, il est beau le pinceau. Mmh. Pinceau de chez Beautiful Box, là, cette fois-ci. Parfait. Encore une jolie box hein, de chez Beautiful Box. Là, franchement, surtout le gros truc Malvita. Alors, on continue avec maintenant, nous arrivons, après 150 000 histoires d'épisodes, nous arrivons à la box de mars. Puisque ça y est, nous sommes bientôt au printemps. C'est ça. Oh, mais tellement. Le temps file quand on s'allume. On échange. Ouais. Et donc là, c'est coup de vent. Coup de vent. On s'excuse pour les bruits de moto, bien sûr, je me cale au passage. Loulou est en train de rentrer dans le garage avec le... Et il se dit, c'est quoi ce vélo? Ah oui, d'ailleurs, il l'a mis en plein milieu du jeu de quilles. Bah, je suis pas bougé, c'est tout. On n'a pas parlé de la box. C'est joli. Bah, elles sont belles, les box, là. Ouais. On attaque. On y va. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est ce sketch. Bah, attends, on commence par le vif du sujet, Kilo. Regarde. Ah, bah oui, mais... Voilà. De la peinture numéro. Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai. Voilà, de la peinture numéro. Ah, mais évidemment. Ils ont donné les couleurs. Bah, c'est ce que je suis en train de regarder, mais je les vois pas. Eh ben, on va voir que je trouve les couleurs. Tu trouves tes crayons couleurs chez toi? Moi, j'ai l'impression que c'est on y va, on s'éclate, on va claquer la bise de Mars. On déploie ses ailes pour glisser sous le vent. Si tu crois que j'ai eu tort. Ah, faut pas nous lancer, hein. Cochon? Ou les autres, les petits goodies avant. Petit goodies. Oh, j'adore, j'adore. C'est vraiment le packaging de chez Cézanne. Le petit foulard à Kilo. Mais qui est aux mêmes couleurs que la box. Ils sont forts. C'est canon par contre. Hein. Ça, c'est les couleurs du printemps. Ça va vite terminer dans mes vêtements. Et donc, il y en avait un deuxième de petits goodies. Comme ça, tu sais, comme Bridget Jones. Oh là là, cette femme. On sent le petit bijoux. Ah, canon. Ah, ça, on adore. Un petit jonc comme ça, pour le poignet. Ah, c'est beau. C'est chouette, encore une fois, ça va bien avec tout le reste. Et puis, bah, du coup, c'est le pochon beauté. Là, il y a... Oh, le mois d'avant, t'avais 3 produits. Ouais, et là, il y en a plein. Il y en a 5. 2, 3, 4, 5. Après, il y a peut-être des choses qui se recoupent. Patika. Ouais, j'adore. Ouais. Gommage sorbet éclat. Là, je dis oui. Ouais. Et ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits Patika. Moi, j'avais passé une commande exprès Patika. Qu'est-ce que c'est? Palais du thé. Ok. Donc, je connais très bien la marque, je connais très bien les thés. Et donc, c'est les thés des sources, en fait. Ils ont plusieurs gammes. Là, c'est le bruit des vagues. Menthe poivrée, bergamote et bain de chisandra. Donc ça, je connais pas ce que c'est. Mmh. Canon! Bon, ça, ce sera utilisé. Je crois qu'il y en a un deuxième. Encore un palais du thé des sources au cœur joie. Optimiste, millepétuis, tulsi et orange. Millepétuis, je pense. Une pertue, ouais, c'est quoi, mais je connais pas. Une petite fleur, plante. Davines. Nice, le format, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un conditionneur, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Il s'appelle Momo. Après shampoing. C'est bizarre.
J'ai l'impression qu'il est en peau, on dirait une balle anti-stress, ouais. Tu sais. Ou du... Comment ça s'appelle, ouais. La mode avant du jelly, du... Oh, il y a Noémie Makeup Touch, ça ce serait vraiment pas ton délire. Qui fait des vidéos sur TikTok ou sur Instagram où elle utilise ce genre de truc déstressant là pour nettoyer sa Tesla. En gros, elle met la pâte à modeler là dans tous les recoins pour attraper la poussière. Et avec ses longs ongles et tout, vraiment. Elle prend la pâte à modeler de ses gosses. Tout ça pour say que c'est une vidéo ASMR, tu sais. Avec les bruits d'ongles sur toute la boîte. Alors les ongles, moi, je suis vraiment pas mondaine. Oh, bah trop bien, tu ne produis que d'Ali. Mini format, cette fois-ci, ouais. Mais il y a quand même des trucs. Ouais. Ah non, c'est chouette. Elle, bah, la box de Mars, elle est quand même... canon. Et le pochon. Ouais, magnifique. J'adore, franchement, les pochons, ça me fait ma vie déjà. En fait, offrez-lui des pochons. Non, mais j'en ai plein, mais j'ai toujours plein de trucs à mettre dedans. Dans mon sac Ryanair minuscule, bah t'avais le pochon pour dire un savon liquide, machin, l'autre avec les cotons, un autre pochon avec mes petits médicaments. Comme ça, ça fait... Puis en fait, tu mets juste les petits pochons. Ton maquillage, et voilà. Tes solaires, ouais. Tes solaires, culottes. Enfin, du coup, les deux culottes que t'as mis pour la semaine. C'est la culotte. Bon, ben c'est bien. On va attaquer la dernière box, ouais. Donc, si je crois. La box du printemps de chez Beautiful Box, l'éternelle jeunesse. Oh, alors là, tout est dans le Vous titre. Vous savez que ça, c'est quand même ma phrase. 100% CBD et chanvre. Oh, ça aussi, c'est ta phrase. Bon, moi, toute cette hype du CBD et tout, c'est sans moi. Hein. Moi, je sais pas, je suis pas de l'apartheid. Enfin, je connais pas. Bah, on va tester, on va voir. Bien sûr. Ne restons pas fermés. Sanaka Bio. Eh ben, un masque capillaire, réparation au CBD. Démêle et répare, tout à fait, à kilo. Et alors, valeur du produit, 4,99€. Ça, c'est pas mal, c'est pas... Si ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le racheter. Et donc, il y a du CBD, de l'huile de chanvre et de la kératine végétale pour redonner un coup de boost à votre chevelure. On continue avec... Bah, tu vois, ils sont mieux aussi. Les petits prodiges, ouais. Baume magique au CBD. Dis donc, ça, c'est une marque qu'on a beaucoup aimée il y a quelques années. Ils faisaient des gommes... Beaucoup de produits solides, des gommes pour dentifrice, machin, des trucs comme ça. Véritable couteau suisse à tout faire. Ça, classique. Ça part dans le sac Ryanair. Prochain voyage de prévu à Kilo, tu sais déjà ce que c'est? Non. Mais t'as déjà préparé ton sac Ryanair, quoi. Mais je sais que je préparerai mon sac, ça sera peut-être pas Ryanair, mais ça sera quand même petit sac. Parce que maintenant, je sais pas si vous avez vu, il n'y a plus de bagages sur ça. Tout le monde paye. On continue avec, alors cette marque, je la connais et j'adore, Mira. My Mira, ouais. Le chambre des possibles. Sérum visage. Ah bah c'est cool. 9,90€ le prix. Pas cher, ça hein. Ça va. Je vous ai pas dit les petits prodiges, c'était 17,90€. C'est nice, hein. Oui, My Mira, on a eu pas mal d'huile pour cheveux, d'huile visage, ouais. Aussi, d'huile pour la nuit, machin. Et, ouais, mais moi j'adore celle pour les cheveux, je l'ai vite terminée. Signe de l'âge, mais moi c'est terminé. Vous voyez, je resterai une éternelle adolescente. On continue avec un fluide visage rééquilibrant. Au CBD, toujours, c'est du CBD partout, et de l'huile de jojoba. Et la marque, c'est Daily Hemp. Inconnu au bataillon. Alors, c'est pas du tout... 10 ans d'expérience dans la restauration, Dan s'est plongé dans l'univers du chanvre en l'intégrant progressivement à sa cuisine. Ah ouais, convaincu du potentiel de cette plante, le restaurateur parisien a transformé son établissement du Marais en une boutique de CBD. Et donc, virage à 180. Le succès a été immédiat et depuis 2019, il développe une vaste gamme de cosmétiques entièrement conçus en France. Ça coûte 35€ la petite. Ah ouais. Et rééquilibrant, c'est très bien. Quand t'as justement des chauds froids, machin, ouais. ça apaise, je quoi. Pouvoir faire ça. Nous avons deux petites pinces que j'adore. Je trouve ça trop mince. Il y en a qui mettent ça juste pour se coiffer, pour se préparer, oui, pour enlever les cheveux du visage. Bah, mais non, on peut les mettre tous les jours. Ou pour faire un side hair à Kilou. Un quoi? Tous les cheveux sur le côté et puis tu mets des pinces. Ah oui, mais ça je le fais souvent. Mais en tout cas, elles sont jolies. Hein. Je kiffe. Dernier, la marque, on la connaît. Compagnon des Indes, oui. Compagnie des Indes, déodorant au chanvre, en format tube comme ça. En format. En format crème, ouais. Bah écoute, ouais. Ça sent bon, hein. 15€. Ah si, j'adore l'odeur. Ouais. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a du clou de girofle dedans? Huile de chanvre et bicarbonate de soude. Ça sent le clou de girofle. Comme chez le... Enfin, ça sent comme chez le dentiste. C'est peut-être ce que le dentiste y met pour nous endormir, pour pas qu'on sente la...
C'est la nouvelle anesthésie, quoi. Un sacré sketch. Really nice. Bon, ben on va en une belle de box. Effectivement, ouais. Avec surtout des petits prices là pour le coup. Ouais, mais... ça c'est bien. Enfin, s'il y avait des crèmes à 35 euros. Si. Mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que de si dire ça que te plaît. Tu peux en racheter, ben oui, oui. Pour une fois, tu vois. Très bien, Akilo. Ouais, bah, te v'là repartir. Restocker. Restocker, ouais. T'as de la place dans tes placards pour mettre ça? Mais ouais, toujours de la place. Voilà, voilà. Bon, mais c'est bien. T'as regardé des petites séries? Ouais, alors j'ai regardé une série, dans le mois de la flemme, qui est connue depuis super longtemps, hein, toujours là pour toi, avec une nana qui joue dans Grey's Anatomy, okay. Et celle qui jouait dans Scrubs. Et en fait, c'est deux meilleures amies et tout, et je suis tombée dessus, alors je crois que ça fait très très longtemps qu'elle est... Puis moi j'attends comme tout le monde des Bridgerton, par contre... Tout le monde, comme tout le monde. Bah oui, tout le monde attend les Bridgerton, il y a toi qui les attends pas. Bah du coup c'est pas tout le monde. Bah c'est presque tout le monde. Mais... Tout le monde, moi. Hein. Moi. Moi, je tu peux demander à Loulou, je pense que ça fait moins de temps. Ah, par contre, on m'a dit que Fury était trop bien, avec Marina Foïs qui est sortie. Ah, j'ai vu la bande-annonce, ouais. Donc je pense que ce sera la prochaine... C'est une série, je pensais que c'était un... Ouais, ouais, c'est une série. Oui, mais de toute façon, Marina... Ah, Marina, quoi. Comme je ris. Ah, je ris. Mais oui. Mais j'espère que vous avez tous regardé LOL. Mais... Par contre, il faudrait trop qu'on joue au jeu là où ils sont. Wow, 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 wow. Non, mais moi je perds tout de suite. Hein? Je perds tout de suite. Je rigole pas. Alban Ivanov. J'espère que vous avez tous vu ça où ils sont autour du donuts, là, du piano, et puis ils doivent refaire les vibes de chansons. Moi je pleure, hein, vraiment, oui. Je ris tout de suite, je peux pas jouer à ça, je perds tout de suite. Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça soit drôle. Mais alors, par contre, Jérôme Commandeur, ma vie, ce mec, ma vie, c'est lui, il me rend dingue. Mais tu sais, quand les gens viennent te chercher, et c'est là que je trouve qu'il est le plus drôle, c'est qu'il a la répartie. Mais oui. Quand avec les photos, t'as lui à claquer des photos de lui petit et tout. Moi j'en pouvais plus, mais moi on claque des photos. Et derrière on fait des sketchs sur ma gueule. Le mariage et tout. Ouais. Non, c'était trop bien. Trop trop bien. Bon voilà, voilà. Du bon temps dans la télé. Maintenant, terminados, on va dehors. C'est ça, c'est parti. On va reprendre son petit bike là. Ouais, top à la vachette, des beaux jours et tout. Franchement, on attend que ça. Je pense que. C'est cool, hein. Petite sieste par ici. Je suis levée trop tôt et tout. Les week-ends sportifs. Terminé les week-ends où on reste au fond du lit. Tout feu, tout flamme. Bah ouais. Sur tous les fronts. Bah c'est ça. C'est ce qu'il faut. Ciao, ciao les enfants. Un de ces quatre.